Cause I think I got something possessed in me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Le premier Race to the Cup sur FIFA 16, il a mis beaucoup de temps à arriver, mais le voici enfin. Donc pour l'occasion je suis parti en compétition Gold, tout ce qu'il y a de plus normal avec cette hybride vraiment sympa. On a du Vardy, Record Breaker, Mahrez Inform, Mounier, Matuidi, Taider, Pereira, Barzagli, Perez, Mapuyanga Mbiwa, Tremolinas et Salvatore Sirigu dans les cages pour le deuxième match. Parce qu'en fait c'est le deuxième tour, parce que le premier tour je ne l'ai pas joué avec cette équipe. Du coup j'ai décidé de ne pas le mettre dans la vidéo. Je suis tombé face à une équipe bronze et au bout de 8 minutes de jeu, petit festival de Mahrez, la frappe pied gauche, 1-0 au bout d'une minute de jeu. Ça commence juste parfaitement dans ce match. Le mec avait quand même le collectif avant avec son équipe bronze. Je me suis dit, ça risque quand même d'être tendu. 16e minute de jeu, Vardy qui dépose pour Mahrez. Le pied droit qui est totalement mauvais chez Mahrez. Du coup, c'est à côté. 38e minute de jeu, première frappe de l'adversaire. Un but partout. Moi, j'ai pas mis toutes les occasions parce qu'en fait, je tentais de marquer des clips. Mais voilà, donc il y a pas mal d'occasions qui ont sauté sur ce match. 61e minute de jeu, Vardy lancé dans la profondeur. Le pied gauche pour le 2-1. On peut voir que voilà, Vardy a battu le gardien sans trop de difficultés. Et bah 90e minute de jeu, la deuxième frappe de mon adversaire avec O'Brien. Et Sirigu laisse totalement le ballon, enfin il se le met déjà le ballon. Et donc ça fait 2-0. 90e minute de jeu, Vardy qui va avoir le ballon, le double contact, la frappe qui tape la barre transversale. 97e minute de jeu, Taider pour Mahrez qui la met directement pour Vardy en une touche de balle. Vardy qui fait parler la vitesse, il est ultra rapide et ça se ressent. Mais le gardien fait un arrêt monstrueux. 101e minute de jeu, Mahrez pour Vardy. Vardy qui se retourne, qui décoche une frappe splendide dans la lucarne pour le 3-2. Je repasse devant et donc 116e minute de jeu, Pereira qui va avoir le ballon, qui va la donner à Anthony Mounier. Mounier qui va se faire avoir par le tacle du gardien, mais il y a Taider qui a bien suivi et il va mettre le ballon dans le but vide pour le 4-2. 120e minute de jeu, coup franc bien placé de Mounier qui passe au-dessus et c'est comme ça que se termine le match sur une victoire 4-2. Au terme d'un match où vous allez voir l'adversaire, au final, il a frappé deux fois dans les 90 minutes. Et après, il a quand même frappé pas mal de fois en prolongation. Bon, c'était des frappes très peu dangereuses, c'est pour ça que je ne les ai pas mises. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même dominé ce match. Après, j'ai tenté énormément, comme l'adversaire n'avait pas une grosse équipe en face, j'ai quand même tenté de mettre des beaux buts que je n'ai pas forcément réussi à mettre au final. Mais du coup, j'ai quand même gagné ce premier match. Deuxième match, enfin demi-finale du coup, une première ligue avec deux tanks devant. J'ai vu Giroud, j'ai vu Boni, je me suis dit, oulala, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Et au bout de 19 minutes de jeu, Son Ward va faire une passe décisive à Mahrez. Comme vous pouvez voir, je ne me suis absolument pas pris la tête, j'ai assassiné le gardien. Là, je la donne à Mounier, la frappe de Mounier qui passe à côté. Il me semble que c'est Howard qui la touche d'ailleurs. 37e minute de jeu, Mapuyanga Mbiwa pour Pereira. Pereira qui la décale, Perez, je la lève, la petite passe en profondeur, et là le plat du pied de Vardy pour le 2-0. Voilà, on était très très bien dans ce match, l'adversaire était pas forcément bon, il avait pas forcément non plus une équipe exceptionnelle. 41e minute de jeu, Mahrez qui va y aller tout seul, le passement de jambe, et là le petit enroulé pour le 3-0. Doublé de Mahrez, but de Vardy, c'est vraiment les deux joueurs qui sont mis le plus, c'est les deux joueurs les plus importants de cette équipe, et ils sont vraiment mis pas mal en avant dans cette vidéo. Mounier qui va décaler Vardy, Vardy qui va y aller tout seul, là le joueur qui tacle dans le vent, et 4-0, le plat du pied de Vardy. Taider qui va lancer Vardy dans la profondeur encore une fois, hein. Vardy, il y a la vitesse, il y a la puissance, du coup on n'hésite pas. Le passement de jambe, le double contact et la pénalty. Alors j'ai l'impression que le défenseur touche la balle, je vais tenter une Panenka totalement foirée, donc le gardien n'a pas bougé, je ne l'ai pas mise dans le vert, du coup on a eu la petite course avant. 64e minute de jeu, Vardy tout seul, 5-0, le petit extérieur du pied dans le petit filet du Team Howard, et c'est comme ça que se termine ce match sur une très très large victoire, 5-0 au terme d'un match très largement dominé. On peut voir les stats, 14 tirs, 11 cadrés, 54% de possession, seulement 4 tirs pour mon adversaire, donc 2 cadrés, et là je me retrouve directement en finale. Je vais tomber contre une première ligue encore, si je dis pas de bêtises, voilà, donc peu d'originalité. À noter que le tout premier match que vous n'avez pas vu, c'était aussi contre une première ligue. Mais là, c'est une grosse première ligue. Même si c'est vrai que voilà, quand j'ai vu
son David Silva en milieu relayeur, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et quatrième minute de jeu, son David Silva qui va y aller tout seul pour le 1-0. Je l'ai laissé y aller tout seul. Mais je vais me reprendre très rapidement. 18e minute de jeu, Vardy, le face-à-face avec Courtois pour le 1-0, l'égalisation. Et vous allez voir que ce match-là, c'est absolument n'importe quoi. Le Vardy était vraiment on fire. Pereira qui décale pour Pérez. Pérez qui temporise sur son côté droit, il élimine le joueur, le centre, la tête malheureusement ratée de mon attaquant, Mounier qui a le ballon, Mounier toujours, la faute sur lui qui n'est pas sifflée. Ça revient sur Tremoulinas, le ballon, Tremoulinas dans la profondeur, Vardy le petit crochet pour éliminer son vis-à-vis, et là la frappe pied gauche. Vardy, il me semble qu'il a 3 étoiles mauvais pied, mais franchement ça se ressent pas, son pied gauche est vraiment exceptionnel. Mahrez pour Vardy. La roulette, la deuxième roulette, la troisième roulette. Donc on a éliminé tous les joueurs avec des roulettes. La tentative de long shot parce que j'ai vu le gardien avancer. Malheureusement, son Courtois la sort. Ça aurait été un but magnifique. Mais voilà, on ne peut pas marquer tout le temps. Je vais la décaler sur Mounier sur ce corner. Vardy la frappe. Malheureusement, repoussée par Courtois. Ça retombe dans les pieds de Pereira. Pereira sur le côté qui va la donner. C'est mal repoussé par la défense. La frappe de Vardy captée par Courtois sans trop de problèmes. On est donc en deuxième mi-temps. Son Memphis Depay qui va y aller tout seul. Et ça, avec de la réussite, enfin moi c'est pour moi hein, de la réussite, le poteau, donc il aurait pu égaliser sur cette action, l'adversaire a pas eu énormément d'occasions dans ce match, mais c'est vrai que c'était une occasion qui aurait pu lui permettre de revenir dans le match, et juste derrière je vais punir sur, je sais pas si c'est directement sur la contre-attaque, mais quelques minutes plus tard, Vardy pour le triplé, pour le 3-1, 53e minute de jeu, Pérez qui va se faire faucher dans la surface, le pénalty, cette fois-ci je me suis pas pris la tête à faire une panenka, pleine lucarne, 4-1, quadruplé, de Vardy, Tremoulinas à la 64e minute de jeu qui récupère un ballon. Et là, bah, Taider qui la donne à Mahrez. Mahrez qui va y aller tout seul. J'élimine un joueur, je décale Vardy. Et encore une fois, un but de Vardy. Le quintuplé, 5-1. 82e minute de jeu, son Sergio Aguero va réussir à éliminer Sirigu. Et là, il a vraiment mis trop de temps. Je pense qu'il voulait rentrer dans les cages. Et avec Tremoulinas, je vais réussir à la sortir avec énormément de réussite parce qu'au final, elle a tiré sur lui. Mais je vais pas me plaindre. Petite frappe de Vardy toute mignonne. Ça aurait pu faire but, mais Courtois a veillé sur son but. Et c'est comme ça que se termine ce match. Donc sur une victoire en coupe, 5-1. Et c'est donc comme ça que se termine ce premier épisode de Race to the Cup. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je pense que pour les prochains épisodes de Race to the Cup, ça sera en live maintenant que j'ai la fibre. Avec Zizou, on a paramétré tout ça. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter du kit CPL parce que je perds énormément quand même de connexion avec le Wi-Fi. Mais je vais m'équiper bien comme il faut et logiquement, on est reparti là pour les lives. Je pense que demain, je devrais être opérationnel comme il faut. C'était FatMa80HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous. Ciao.